c'est toi. J'ai un souci, j'aurais besoin que tu m'aides. J'aurais besoin que tu me recopies ça. Sur ça. Tout ça? Oui, et je repasse demain à 7h la récupérer. Bon, je te laisse, faut que j'aille. Ça m'a pris toute la nuit. Pourquoi? Je t'expliquerai. Merci encore. Bien. Nous vous avons convoqué au sujet de l'épreuve d'histoire-géographie que vous avez passée en juin. Il y a des petites choses un peu surprenantes dont on aimerait avoir l'explication. J'ai là votre copie d'histoire et celle de géographie. Et c'est vraiment surprenant. Les deux écritures sont complètement différentes l'une de l'autre. Vous pouvez nous expliquer ça? Oui, c'est vrai, il y a bien deux écritures différentes. Il y en a une beaucoup plus appliquée et une autre beaucoup plus hachée. En fait, j'ai commencé par la géo et j'ai voulu m'appliquer. Je passe quand même le bac. Et au bout de 2h30, j'étais à court de temps et j'écris plus vite pour finir. Bien. Vous serez reconvoqué. Connu sous le nom de lithosphère et découpé en une vingtaine de plaques. Plus doucement, je vous l'ai dit. Et découpé en une vingtaine de plaques. Très bien, on va faire l'autre écriture. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France connaît des transformations économiques. Bien. Nous voulons bien croire que c'est vous qui avez écrit ces deux copies. De toute façon, l'Académie n'a pas les moyens de se payer un graphologue. Par contre, une autre chose un petit peu curieuse. Votre avocate nous a remis vos copies que vous avez composées durant l'année. Sur l'une d'entre elles, on peut retrouver, dire mot pour mot, à la virgule près, celle que vous nous avez remise le jour du bac. Surprenant, non?
pouvez nous expliquer ça? Ah ben, j'apprends par cœur. Comment ça? Eh ben, vous prenez un anabac, vous l'apprenez par cœur, introduction, développement, conclusion, et vous avez 18. Bon. Effectivement, il existe ce genre de manuel, on a accès à ce genre d'informations. Mais je vois pas ce qu'il y a de surprenant. Moi-même, j'ai dû apprendre des textes par cœur afin d'exercer ma profession. Eh bien alors, pourquoi tu ne nous l'as pas dit avant? Pas demandé.